Bonjour mes enfants, comment ça va? L'objectif de notre séance d'aujourd'hui, découvrir les différents noms des médecins. Vous êtes prêts? Qu'est-ce que c'est? C'est un hôpital. C'est un lieu où on soigne les malades. À l'hôpital, il y a des médecins. Qu'est-ce qu'il fait le médecin? Il soigne les malades. Qu'est-ce qu'il tient à la main? Un dossier médical. Qu'est-ce qu'il met autour de son cou? Il met un stéthoscope. À l'hôpital, on trouve des médecins qui ont des noms différents. Pourquoi les médecins ont des noms différents? On va découvrir ensemble. Observez bien ici le médecin. Qu'est-ce qu'il fait? Il soigne un enfant. Très bien. Comment on l'appelle le médecin qui soigne un enfant? C'est un pédiatre. Un pédiatre. Qu'est-ce qu'il fait le pédiatre? Il s'occupe de la santé des enfants. Qu'est-ce qu'il tient ici le médecin à la main? Qu'est-ce que c'est? C'est un corps. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici le médecin? Il s'occupe du corps des malades. Comment on l'appelle? Un cardiologue. Un cardiologue qui s'occupe du corps des malades. Quel est le nom de cette salle? C'est une salle d'opération. C'est une salle d'opération. Observez ici le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une opération. Il fait une opération. Comment on appelle le médecin qui fait des opérations? Un chirurgien. Un chirurgien. Le chirurgien réalise des opérations. Dans la salle d'opération, on a d'autres médecins. Qu'est-ce qu'il dit ici le médecin? Maintenant, je veux t'endormir. Il va endormir le garçon. Le garçon endort. Comment appelle-t-on le médecin qui endort les malades? Un anesthésiste. Un anesthésiste. Il est chargé d'endormir le patient. Il le surveille pendant l'opération et contrôle son réveil. Maintenant, je veux faire des devinettes. Qui suis-je? Je soigne les enfants. Un pédiatre. Je fais des opérations. Qui suis-je? Un chirurgien. La dernière partie, vous allez écrire le nom de chaque médecin. Comment l'appelle le médecin qui soigne les enfants? Oh, les médecins qui font des opérations. Le médecin qui endort les malades. Et le médecin qui s'occupe des cœurs des malades. Comment l'appelle? J'attends vos réponses. Au revoir, mes enfants.